Vous permettez, maître? Bien sûr, je vous prie. Vous travaillez sur le thème de Leonardo. Voilà, donc Leonardo Vinci, c'est un puzzle pour nous, voyez. Un puzzle à reconstituer. Vous faites la présentation. Alors c'est une démonstration en fait de mon travail en public. Oui. Pour que les gens comprennent comment sont faits ces tableaux, c'est-à-dire qu'ils sont faits en deux parties, une partie qui est à l'arrière et une partie qui est à l'avant, mais qui est transparente, enfin, qui est partiellement transparente, ce qui permet d'avoir une interaction entre deux choses, et cette interaction permet d'avoir des tableaux qui sont dynamiques, c'est-à-dire que suivant l'endroit où vous êtes, ils ne sont pas pareils, donc vous avez l'impression d'un mouvement. Un mouvement qui est donné par la personne qui regarde, contrairement à une vidéo où le mouvement est imposé en quelque sorte par l'enregistrement. Là, c'est quand l'observateur se décale, le tableau va se décaler. Et donc là, dans ce que je suis en train de faire, là, je fais le fond du tableau. Alors le fond du tableau, il y a une partie qui est les pièces de puzzle qui sont claires, bleu clair, et d'autres qui sont un rouge brun foncé. Mais sur le devant, c'est l'inverse, ce qui fait que ce qui est clair va être compensé par quelque chose qui sera foncé, ce qui est foncé par quelque chose qui sera clair, et donc ça va créer un effet assez étrange. Donc on va voir après tout à l'heure si ça fonctionne et s'il faut changer quelque chose dans les valeurs des couleurs qui ont été utilisées. Eh bien, ça va prendre combien de temps le travail ça peut pour prendre terminer beaucoup de temps, le tableau. Si c'est raté, il faut revoir aujourd'hui. Est-ce qu'on pourra voir tout je pense, à l'heure Oui, quelle heure il est là? Il est 5 heures. Oui, je pense que d'ici une heure, on devrait avoir une idée assez bonne de l'aspect final. Même si le plus souvent, il m'arrive de retoucher ensuite derrière, voire de changer tout. Enfin, on aura déjà une idée pour savoir si le design initial fonctionne ou pas. Bon, très bien. Donc, je reviens vers vous dans une heure. Voilà, donc ce que je cherche à faire, c'est avoir un tableau dynamique. Donc quand on se déplace, il y a une interaction entre ce qui est devant et ce qui est derrière, et ça crée donc des impressions variées, soit de couleur, soit de forme. D'accord ? Et donc on a l'impression d'avoir une certaine profondeur, mais qui est liée au fait que quand on bouge, le tableau bouge. Donc la technique consiste à avoir un ou plusieurs plans qui sont superposés avec une certaine distance qui les sépare de façon à créer des effets de parallaxe. Alors, par exemple ici, vous voyez, vous avez le tableau de dessous et le même tableau de dessus. Et l'idée, c'est l'intérêt du tableau, c'est pas dans la plus ou moins grande méticulosité de la réalisation, mais plutôt dans le fait que quand ils sont superposés, c'est conçu pour avoir un effet dynamique. Et c'est ça qui est intéressant. Donc c'est pas à proprement parler de chercher à faire de la 3D, mais c'est plutôt chercher à faire un objet dynamique. Dont l'ambiance, la forme, l'état d'esprit va varier. Donc là, par exemple, l'idée, c'était Léonard de Vinci, c'est un puzzle à reconstituer. Et donc, c'était ça l'idée. L'idée, si vous voulez, c'est quand je fais mes vidéos, donc c'est de se déplacer, et comme ça, quand on se déplace, on voit comment le tableau se déforme. Donc c'est ça l'intérêt. Donc quand on vit avec le tableau, si vous jetez un coup d'œil au tableau d'un angle différent, vous verrez que le tableau a une vie propre. En fait, pour augmenter un petit peu l'aspect volumique
l'idée est créée comme une, un peu comme une sculpture. Je le décolle du fond, vous voyez, pour accentuer le relief. Voilà. C'est plus une présentation, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Après, avec les perspectives, etc., la trois dimensions et de l'intérieur de l'image. Voilà. D'accord. Mais il y a quand même cet effet de... Oui. Cet effet de relief, c'est ça. Celui du milieu, là. Abstraite, où il n'y a pas le visage, justement, parce que le visage, pour moi, de la Joconde est tellement dans l'imaginaire collectif, donc on peut imaginer, voilà, et par contre, il y a quelques, pour moi, c'est assez, une œuvre assez féminine. Voilà, c'est tout à fait, moi je voyais le corps d'une danseuse, c'est ça. Comme une, on verrait, enfin, une danse, C'est ça, oui. Tout à fait, oui, c'est pour ça que je posais la question. Oui, absolument, et en fait, la Mona Lisa, elle est dans le titre, et l'association du titre et de l'œuvre. Et celui-ci, je l'ai intitulé La Joconde, arabesque de la Joconde. Pour moi, il y a un aspect comme une danseuse, justement, un mouvement d'arabesque. C'est aussi l'association avec la Joconde, mais toujours sur le versant abstrait. Il n'y a pas de représentation. Voilà, il n'y a pas de représentation. C'est ça. C'est pas confié, c'est du non figuratif. C'est pour ça. Si vous voulez, moi je travaille, je considère que mon travail, c'est de la sculpture. C'est de la sculpture. En 2D, certes, mais en deux dimensions. Mais pour moi, c'est comme de la sculpture. Et la profondeur, le volume, il est dans l'image. Et dans l'image, oui. Voilà. C'est vos photos qui sont exposées dans le jardin. Oui, qui sont dans le bas du jardin. Qui sont dans le bas. À côté du pavillon. Voilà, c'est ça. Comment vous procédez ? Alors, en fait, la démarche, c'est à la suite de la lecture d'un livre de M. Tanizaki qui s'appelle Éloge de l'ombre. Parce que j'aime aussi cette approche des extrêmes orientaux dans leur notion de beau. Ils vont privilégier l'ombre alors que nous, on privilégie la lumière. Donc ça me paraissait intéressant. Et donc j'ai fait ces photos en lumière artificielle, l'hiver, déjà la pénombre. Et j'ai recherché... Donc dans les photos. Ce sont des photos. J'ai recherché, en faisant mes photos, à capter des éclats de lumière émergeant de l'ombre. J'ai fait les photos floues volontairement. Je les ai fait tirer sur papier. Je les ai recoupées. Posé sur un papier noir et en réintroduisant encore un peu plus de noir dans les espaces. Ensuite, refait un cliché, un dernier cliché, et envoyé chez l'imprimeur. Voilà. Très bien, la démarche est claire. Merci.
Marie-France Galu de Teruel. Vous êtes la créatrice de la galerie Métamorphose et de ce lieu extraordinaire, magnifique, dans la vallée de la Loire, à côté de Blois. Mais aujourd'hui, donc, nous sommes le 14 avril et demain, le jour de la naissance de Léonard de Da Vinci. Et c'est à l'occasion de la naissance du grand Léonard qui est mort dans le château Le Clos Lucé dans la région que vous avez lancé cette exposition dont nous assistons aujourd'hui, qui est le, donc Léonard de Da Vinci, le précurseur de la vision tridimensionnelle. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce concept ? De la galerie ? De la galerie et de l'exposition d'aujourd'hui. Quel est le lien avec Léonard ? C'est la région centre qui est à l'initiative des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci et qui m'ont demandé si je voulais participer à cet événement. Donc d'organiser des expositions et tous les artistes ont travaillé sur le sujet Léonard de Vinci ou la Renaissance. La galerie existe depuis plus de 15 ans. Nous exposons aussi bien de l'art brut que de l'art hyper contemporain. Pour justement parler de Léonard, on a choisi la dimension en 3D ou en 2D. Parce que Léonard de Vinci s'y était intéressé avec l'art fractal. Alors cet artiste qui va travailler sur l'art fractal, lui viendra qu'en mois de mai, mais il a travaillé sur des œuvres avec les profondeurs, comme tous les artistes qui sont présents aujourd'hui, ou alors sur le sfumato. C'est la seule d'ailleurs qui ne travaille pas sur la 3D, mais tous les autres ont créé en trois dimensions. Donc on peut dire que le génie de Leonardo, il était aussi précurseur de trois dimensions, de tout ce qu'on voit aujourd'hui sur l'Internet. Il s'y était déjà intéressé, il avait déjà compris que l'image n'était pas plate. Enfin, on pense que c'est plat, mais c'est parce que notre œil nous montre des choses comme ça. Mais lui, il avait compris que non. Il y avait plusieurs dimensions. Donc Leonardo da Vinci, dans sa recherche, même s'il n'a pas créé les choses qui existent maintenant, pour les chercheurs actuels, souvent, ils ont été cherchés dans ce que Leonardo da Vinci avait imaginé ou vu. Parce que c'était quand même quelqu'un qui observait énormément la nature, qui a fait des projets énormes, avec beaucoup de projets, mais pas forcément mis en application. C'était un précurseur dans la création, mais il n'exécutait pas souvent. Ce qui fait que les artistes maintenant, eux, exécutent ce que lui avait imaginé. Quel est le principe par lequel vous choisissez vos artistes ? S'il y en a un ? Normalement, non. Je choisis... Alors, c'est pas moi qui choisis les artistes, c'est les artistes qui me choisissent. J'ai la chance de ne pas avoir besoin de chercher des artistes. J'ai une liste d'attente assez longue, mais après, là, cette fois-ci, il y a vraiment un thème, donc les artistes devaient correspondre au thème de la tridimensionnalité, quoi. Il fallait que ça corresponde à ce que Léonard de Vinci avait imaginé à son époque. Alors, Dominique Mulhem travaille sur la vision en trois dimensions. C'est-à-dire que quand on se trouve devant une de ses œuvres et que l'on bouge, la peinture, on a l'impression qu'elle sort du tableau. Donc c'est bien sûr que la peinture a été réalisée au départ, mais ensuite photographiée. Et c'est une technique, c'est vraiment très technique. Donc il faut, je ne saurais pas expliquer, je ne suis pas technicienne, je sais simplement que le rendu est assez stupéfiant. Il y a beaucoup de,
de profondeur dans son travail. Donc Dominique Mulhem a fait beaucoup de recherches pour arriver à ce résultat. Malheureusement maintenant, les Chinois font ça à la chaîne. Lui, il fait tout lui-même. Ça a été le précurseur de ce type de tableau. Et il y a plusieurs dizaines d'années, il figure toujours dans le musée de l'holographie, mais c'était le premier. Ça, ce n'est pas, on appelle ça une holopeinture, parce que l'hologramme, c'est encore différent. L'hologramme, c'est le personnage que l'on voit qui flotte dans l'air. Mais la conception de ces tableaux découle des hologrammes. Dominique Mulhem est un artiste mondialement connu. Bien sûr, il est coté. Il vit en région parisienne, mais il est exposé dans les galeries à travers le monde. Moi, je l'ai exposé à Pékin. Il est actuellement exposé à Séoul, aux États-Unis, et puis bien sûr dans plusieurs galeries en France, dont ici, et dont je suis très fière de l'avoir, parce que nous vivons dans un petit village de 80 habitants, et nous avons des artistes qui sont très connus. Comment vous êtes venue l'idée, Marie-France, de créer cette galerie d'où, ici? Alors, donc un peu dans, à Valère, oui. Qui est un endroit quand même en pleine campagne. Oui. Alors, autour, il n'y a que des châteaux. Voilà, tout à fait. Mais ici, c'est ma maison de famille. Je suis née ici. Ça fait 6 générations que nous vivons ici. Et je vivais à Paris et mon mari a été muté dans la région. Donc je suis venue m'installer avec lui ici. Et là, c'est la vie de campagne. Avec la vie parisienne, il y a quand même une très grande différence. Donc je donnais beaucoup de fêtes. Et je me suis aperçue que j'avais pas mal d'amis artistes qui n'avaient pas de lieu assez grand pour mettre leur travail. Donc c'est comme ça que l'idée de faire la galerie est venue. Donc j'avais la chance d'avoir de l'espace, de pouvoir créer plusieurs salles et de pouvoir exposer des artistes de genres complètement différents. Et cela, j'ai commencé en 1999. C'est donc cela veut dire la galerie se trouve dans le prieuré. Le prieuré a été construit en l'an 1000, ça veut dire qu'il a 1000 ans. Alors, dans une annexe du prieuré, le prieuré est un petit peu plus juste à côté, c'est un bâtiment de 1000 ans. Ici, il a fallu déconstruire le bâtiment qu'il y avait pour le reconstruire parce qu'il n'était pas assez sûr. Pour recevoir du public. Et donc, il y a encore des murs d'époque ici, et donc le prieuré Milan, à la Révolution, les moines ont été chassés. Ça a été vendu à un préfet de la Révolution qui a modifié les ouvertures du prieuré parce que les moines, ils avaient des petites fenêtres et des petites portes. Et puis le préfet de la Révolution, je crois qu'il s'est ennuyé et il a revendu le prieuré et ma famille l'a acquis. Voilà. Et donc, on vit ici depuis, je vous dis, il y a 6 générations. Moi, je suis la 5e et j'ai hérité il y a presque 30 ans. Mon père m'a donné le lieu et je l'ai réaménagé. Voilà. Par contre, le prieuré a été restauré, mais dans l'esprit, bien sûr, il y a l'électricité, il y a le courant, mais dans l'esprit, on a gardé le sol, les dalles d'il y a 1000 ans, les poutres d'il y a 1000 ans, il y a une âme aussi. Alors, le domaine du prieuré, ça a été un domaine viticole. Donc, mon père était viticulteur et il a donné la succession à mon frère qui a exploité les vignes. Moi, je ne suis pas du tout dans ce domaine-là. Par contre, je suis spécialiste de jardin. Donc, je crée... Alors, je dis toujours, je suis galériste, jardinière galériste. On a des expositions aussi dans le parc. Et c'est un parc paysager avec beaucoup d'essences différentes, de fleurs, de légumes, sans aucun traitement. Il n'y a pas du tout de traitement chimique. On pratique ce que maintenant on appelle la permaculture, qui est une expression que moi
je ne trouve pas exact parce que je cultive comme mon grand-père faisait. C'est-à-dire que mon grand-père n'utilisait aucun produit chimique et c'est toutes les plantes et les insectes qui, entre eux, font en sorte que bah, tout fonctionne très bien. Mais c'est un jardin qui n'est pas tout à fait le jardin à la française, mais qui rappelle beaucoup les jardins de l'Extrême-Orient. Jardin de l'inspiration japonaise ou chinoise, c'est tout à fait inattendu dans cette région des châteaux de la Loire. Alors oui, plus on descend, plus ça va être de style asiatique. Il y a une petite île avec une maison de style thaïlandais et nous recevons des artistes chinois souvent dans ce lieu. Ils aiment beaucoup aller travailler là-bas parce que ça leur rappelle sûrement leur pays. Donc je travaille avec la Chine depuis 10 ans. C'est un concours de circonstances, de rencontres, comme dans la vie, il se passe toujours. J'ai exposé une artiste et elle me dit « Ah, je reviens d'exposer en Chine ». Je lui dis « Ah, oh, ça c'est très bien ». Je lui dis « Comment tu as fait ?» Ben, elle me donnait l'adresse d'une personne et j'avais un artiste dans la galerie qui rêvait d'aller exposer en Chine. Donc, j'ai téléphoné à la personne en Chine, je lui ai demandé si elle voulait bien prendre un artiste français. Elle m'a dit oui. Et puis, le galériste est venu ici, est tombé amoureux du lieu, et nous, c'est comme ça que nous avons commencé un partenariat. Donc je prends des artistes chinois en résidence, et je vais exposer des artistes français en Chine. Les artistes de votre galerie ou pas spécialement ? Alors, jusqu'à maintenant, ça a été que des artistes de la galerie, parce que je favorise quand même les personnes avec qui je travaille. Ça me semble plus logique, je connais bien leur travail, je peux plus en parler plus facilement. Et puis c'est aussi, je vais décider ce qui me semble lisible pour un Chinois, qui n'a pas, comme toi, évidemment, il n'a pas la même culture que nous, donc il n'a pas la même vision de l'art et des choses. De quelle manière la région influence leur travail ? Habituellement, la région n'influence... Enfin, si, c'est vrai. Normalement, la région n'influence pas leur travail, mais ils ont souvent des commandes de visiteurs qui aimeraient qu'on représente leur lieu, mais un peu à la manière asiatique. Là, par contre, cette année, avec Léonard de Vinci, c'est exceptionnel, c'est-à-dire qu'ils vont faire un travail... ils vont travailler sur des monuments français, et ils vont emmener ces tableaux qu'ils vont exposer en Chine pour que le lien continue pour aller plus loin. Parce qu'il faut dire que l'exposition Léonard da Vinci va durer 6 mois, si j'ai bien compris. Ici, oui, ici dans ce lieu. Jusqu'à fin octobre. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.